بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais juste dans cette vidéo réviser un passage ou bien une étape faite dans le dernier TP3, partie 3. Alors, cette étape est quelque part ici. Donc, je sélectionne jusqu'à l'étape ce que je voudrais en parler. Voilà, jusqu'à les vecteurs propres de la matrice. Voilà, c'est ici. Très bien. On est là. Donc, j'ai déjà exposé que la matrice ZR, c'est la matrice VRMR. Et donc, le but, c'est de chercher les vecteurs propres, les propres de cette matrice pour arriver à trouver les axes principaux. Donc, les valeurs propres sont 4 ici. Donc, la dernière est nulle. Est nulle. Et ça, c'est les vecteurs propres. Donc, la dernière vecteur propre, c'est le vecteur propre associé, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 0. Donc, il faut tenir bien cette remarque. Donc, chaque vecteur, donc le premier vecteur associé à lambda égale 5, 0,5, etc. Ça, c'est pour 0,4. Et ça, c'est 0,1. Et ça, c'est 0. Donc, la valeur lambda égale 0. Alors, rappelons aussi que le centre de gravité des profils lignes est un vecteur propre, je note bien, est un vecteur propre de la matrice ZR associée à la valeur lambda égale 0. Et en même temps, nous avons que ce vecteur est un vecteur propre associé à la même valeur propre lambda égale 0. Ceci dit qu'il y a une relation entre ce vecteur et le centre de gravité. Cette relation, on va la trouver. Donc, ça, c'est le centre de gravité. Donc ça, c'est le centre de GR. Donc, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 0 pour la matrice ZR. Et ce vecteur-là, est aussi un vecteur propre associé à la même valeur propre lambda égale 0. C'est-à-dire que ce vecteur égale une constante multipliée par ce vecteur. C'est-à-dire que si vous avez un vecteur propre V, hein, d'une matrice A, associée à lambda, si on multiplie ce vecteur par une constante, hein, on trouve un vecteur qui a la même valeur pour lambda. On va trouver cette constante K, par exemple. Donc, il suffit de prendre, par exemple, cette composante. Hein, ou bien cette composante. Allez, je prends ça. Copier. Diviser. Donc, je fais copier. Donc, je vais diviser cette composante divisé par la composante, la première composante de centre de gravité, copie, pour trouver la constante. Hein. Voilà. Entrée. C'est-à-dire que le centre, si je multiplie le centre de gravité par cette constante, je dois trouver ce vecteur-là. On va essayer de voir ça. Alors, GR. Ça, c'est le GR, multiplié par la constante, par cette constante, je mets entre parenthèses, copier, je vais la coller ici, paste. Donc, je dois trouver, donc, GR, le centre de gravité, multiplié par cette constante, je dois trouver exactement ce vecteur. Voilà. Entrée. Et voilà. Donc,
Voilà, les composantes, c'est la première, la deuxième, c'est la deuxième, la troisième et la troisième et la quatrième. Donc, c'est-à-dire que si GR est un vecteur propre associé à lambda égale 0, donc multiplié par une constante, il reste toujours un vecteur propre associé à la même valeur propre, lambda égale 0. Et ce vecteur-là, ici, exactement ça. Donc, GR et ce vecteur-là sont deux vecteurs propres associés à la même valeur propre lambda égale 0. Et voilà ce que je voudrais clarifier dans cette vidéo. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.